Bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 5 mai, l'élection du comité central du MMM aura lieu lors de la prochaine assemblée des délégués, le 24 juin. À cette occasion, une demande de rejet de l'appel de Pradeep Jia sera aussi à l'agenda. D'autre part, Paul Béranger a indiqué qu'aucune sanction n'a été prise contre Steven Obigadou après l'interview qu'il a accordée à l'Express, bien que des propositions en ce sens ont été faites. D'ailleurs, le président de la commission d'éducation du MMM a le droit de se présenter à l'élection du comité central. Des graves allégations ont été portées contre le commissaire de police Marion Aubin dans une lettre transmise au bureau du Premier ministre et à l'ICAC. Lettre qui a fait surface depuis la fin de la semaine dans plusieurs postes de police. Marion Aubin, qui a assisté à la parade des nouveaux constables ce matin aux casernes centrales, a réfuté ces allégations et a affirmé qu'une enquête a été ouverte. C'est le rendez-vous du week-end. Le coup d'envoi du Chinatown Food and Culture Festival a été donné aujourd'hui. Cet événement se tiendra jusqu'à 23h demain. Les visiteurs pourront profiter des stands de nourriture autant que des animations proposées par des groupes locaux et internationaux. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur l'express.mu.